المندو وسواس ويس 55 يديت وانا غنسي فاسن الاخضر النوعيس نغلوس ستة لي زانسبكتور كارسن مولود فرعون اكد علي حموتان الا دو اوس مكتين التديان تاكيني 16 مغرس 2017 ديت مكرضيت التمدين تنتيزي وزو عندها تصبود ما ونقدلس اكد سيران ايدي كان تنمهل تقدلس ان الولاية انتزي وزوم مسانة بلا قمزيان الدكتور محمد حموتان علي فرعون محمد عطاف عبد النور عبد السلام كود مسا سبقين ديان فقنند ازال علاين يساعن دقم الزروي ديدلس تمور في الجزائر ليز انسبكتور كينيت وان غان سيفاسن الغدار ديني وما رد نسل ذكرى الدوناتين اوني دنبوين grâce à leur combat, grâce à leur militantisme, grâce à leur intelligence, abnégation, ont apporté énormément donc, à la révolution algérienne, à l'histoire algérienne. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous commémorons leur disparition. Donc le 15 mars 1962, plusieurs années déjà, mais donc, ces hommes ont marqué donc que ce soit par leurs écrits, que ce soit par leur combat, donc l'histoire d'Algérie indépendante et l'histoire d'Algérie contemporaine. Réapproprier, de cultiver leur mémoire et de cultiver leur legs surtout sur le plan éducationnel et sur leur morale. Et les montées tribales, c'était des gens, avec ce qu'ils avaient, ont voulu faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, vous, des gens comme vous, des gens qui sont plus âgés que vous, qui sont dans la salle, mais qui sont beaucoup moins âgés que moi, ont construit quelque chose. C'est comme ça qu'on construit ce beau pays. Et je crois que c'est ça, c'est pour ça que nous sommes ici, pour commémorer l'assassinat du 15 mars, pour commémorer surtout ces inspecteurs. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle de façon détendue, de façon, disons, à surtout inciter des... Pour Ali Hamoutan, la valeur d'un pays ne dépend que de la valeur de son école. Et ce n'est pas un hasard. Justement, que Ali Hamoutan a été intégré dans la commission de l'éducation qu'avait préparé le GPRA. Le GPRA, pour les jeunes qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le gouvernement de l'Algérie provisoire en exil qui était en Tunisie alors qu'il y avait la guerre des Tmours. Le GPRA, donc, a mis en place une commission chargé de préparer l'école algérienne de demain, c'est-à-dire après l'indépendance. Il avait eu des contacts très intenses avec Abdel Al-Ban. Qui aurait su que Ali Hamoutan aurait eu des contacts extrêmement importants avec Abdel Al-Ban? Et c'est pas étonnant que l'intelligence rencontre l'intelligence. Et d'après quelques témoignages que j'ai pu recueillir, Ali Hamoutan avait été pressenti pour être le ministre de l'éducation nationale une fois l'Algérie indépendante. Alors voilà pourquoi il a accordé une importance particulière à cette citation de Danton qui a dit « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». Malheureusement, à l'indépendance, l'école algérienne a tourné le dos à la science, elle a tourné le dos au savoir, elle a tourné le dos à l'efficience. Et c'est l'école algérienne qui a produit et qui a élevé et d'urbain les terroristes. J'espère, puisque nous avons la chance d'avoir dans ce ministère actuellement une dame au nom de Madame Benrabrit, qui est en train de, oui, une grande dame, qui est en train de faire un travail colossal, tel que l'aurait souhaité Ali Hamoutan Mouloud Firaoun et consorts. Roger de Gueldre,
chef du commando, accompagné de deux hommes armés, pénètre dans la salle, ordonna au présent de se lever, sortit un bout de papier de sa poche et invita les noms désignés à le suivre. Dehors, le peloton composé de trois hommes armés de pistolets mitrailleurs était en place. On aligna six hommes, trois Algériens et trois Français contre un mur de la cour et la tuerie fit son œuvre. Les victimes étaient Max Marchand, inspecteur d'académie, chef de service des centres sociaux et ancien instituteur. Marcel Bassé, directeur du centre de formation éducative de base à Tixraïl. Arif Moutan, inspecteur de l'éducation nationale, directeur général adjoint aux centres sociaux et ancien instituteur. Mouloud Feraoun, directeur adjoint des centres sociaux, ancien instituteur et écrivain. Robert Aymar, ancien instituteur, chef du bureau d'études pédagogiques aux centres sociaux. Et enfin, Salah Oudaoudia, ancien instituteur, inspecteur des centres sociaux de la région Alger-Est. C'étaient tous des enseignants, des intellectuels qui n'avaient pour arme qu'un stylo. 110 balles ont été tirées sur eux. En tant que comptable, donc, j'ai fait une moyenne, donc 110 balles divisées par les 6 victimes, donc on peut considérer théoriquement que chacun avait reçu 18 balles. Ils avaient été choisis par l'OS parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils prennent en main les services d'éducation nationale à l'indépendance de l'Algérie.